Wanga 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 iwa bolingo Imuninga wanga Motema sena yo Imuninga wanga Ataba tongi pamba Bolingo na mabazo Motema mwanga imuzali sena yo Créé par l'étude et Lumumba pour une mission efficace qui n'est autre que de combattre la dictature dans notre pays, instaurée par aussi le feu de Mobutu, mais qui a régné ici des années et des années, des années et des années, et le feu du Tshisekedi Lumumba il s'est pas aussi fatigué de combattre cette façon dans la voie des choses. Ainsi, la lutte a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, après 37 ans de lutte, l'IDPS a accédé au pouvoir. Je pense qu'on allait accompagner. Il n'y avait personne au Congo, ni en Congo, ni en Afrique, pendant ce temps-là, qui pouvait faire face à Mobutu. Mobutu était un vrai dictateur et aussi un vrai politicien. Même quand aujourd'hui, il y a des gens après dans notre pays, c'est seulement malheureux, mais les temps de Mobutu, personne. Voilà, c'est pendant ce temps-là que l'IDPS était né. La dictature de Mobutu. Et comme ça n'était pas assez facile, c'est ainsi qu'après le précédent, l'IDPS est arrivé au pouvoir. Alors, il est arrivé au pouvoir il y a seulement 3 ans, plus ou moins, en 2019, et c'est ainsi que nous nous retrouvons en séjour ici. L'IDPS a existé pendant ce temps-là aussi, dans d'autres pays du monde, comme vous le savez. Mais la spécialité de ce jour, c'est du fait que c'est la première fois que l'IDPS est reconnue comme soldat. C'est la toute première fois. Alors c'est une spécialité, c'est pourquoi nous avons voulu que ça soit organisé de cette façon ici. Pour célébrer, pour marquer les jours, pour marquer la présence de l'IDPS dans le pays. Cette cérémonie restera en mémoire de tous les combattants de l'IDPS et que nous garderons aussi comme un temps parce que, comme je venais de le dire, nous n'avons jamais existé. On parlait toujours d'IDPS, IDPS, IDPS, mais en réalité, nous organiser comme ça, ça n'a jamais été. Et bien aujourd'hui, nous disons merci parce que nous sommes arrivés au point où il y a la justice. Et j'ose croire que nous sommes tous un peuple, nous sommes les Congolais réunis dans ce parti ici avec un seul objectif de voir notre pays prospérer. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes là. Alors cette prospérité-là ne viendra pas d'en haut, viendra de tout un chacun d'entre nous, avec sa main à l'édifice, et nous arriverons à atteindre notre génération qui dépasse l'individu, n'est pas aussi seulement sorti comme ça, comme nous pouvons nous imaginer. Non, c'est une fédération qui est reconnue, non seulement ici comme nous disons que même l'ambassadeur il est avec nous, mais aussi au niveau national, au Congo. Donc, les affectations ont été faites et signées par le secrétaire général Augustin Kabuya au niveau du pays, avec la bénédiction, bien sûr, du président de la République. Donc, c'est une reconnaissance nationale. Et à cette fois ici, international aussi, pour dire que nous ne sommes pas engagés dans une activité où peut-être nous pouvons nous sentir un peu mal à l'aise.
Thank you.
j'invite les présidents sectionnels pour un mot de circonstance. Je voudrais encore faire appel à nos amis de nous balancer encore et nous inviterons les présidents des sections de l'individu à venir prendre. Monsieur le Président,
une messe ou une autre. Je sais que les invités, au nom de notre section, une messe, section ou une autre, et à mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en ce jour mémorial de la présentation officielle de notre chère patrie. Nous disons l'union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que les DPS. C'est ici pour nous une occasion de vous présenter nos sincères remerciements. En dépit de vos multiples préoccupations, vous avez répondu massivement à notre invitation. Ceci montre votre sens élevé du patriotisme. Pour ne pas reprendre trop de temps, je laisse la première à l'autorité fédérale qui aura à vous apaiser en heure à l'heure sur l'événement de ce jour. Que vive le président de la République démocratique du Congo. Le président élu de l'IDPS, section Vindouk, lequel on peut encore applaudir. Donc, c'est lui qui nous dirige ici, à Vindouk. Si vous êtes membre de l'IDPS et que vous avez quelque chose à dire, ou vous cherchez des informations, ou quelque chose qui a à faire avec les partis, c'est M. Romain qui est notre président. Et je vous invite à chaque fois aussi de vous référer à lui. Au cas où, même pour devenir membre, vous pouvez toujours aussi le voir. Il va vous orienter comment est-ce que vous pouvez adhérer à ce cher parti IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup. Sans perdre encore du temps, nous voulons en ce moment ici inviter les présidents fédéraux de l'IDPS Namibie, qui est monsieur camarade Justin Mutuku. On l'acclame alors qu'il s'approche. Je voudrais, avant toute chose,
remercier notre Dieu pour les souffles de vie qu'il a accordé à tout un chacun de nous, sans lequel nous n'allions pas nous retrouver dans ces lieux, dans ces jours. Laissez-moi, avant de continuer, d'abord rendre un hommage mérité auprès de tous les citoyens congolais à la Namibie. J'ai cité son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et à toute l'équipe qui l'accompagne. Laissez-moi rendre un hommage à vous, nos invités, et à tous les combattants de l'UDPS, comme l'a dit bien le modérateur et le président sectionnel. Vous avez, malgré vos multiples occupations, tenu à être là ce soir pour honorer votre présence, cette cérémonie qui marque l'ouverture, bien l'installation, la présentation officielle de l'UDPS Fédération de la Namibie. Je remercie aussi tous les membres du comité sectionnel de l'UDPS ici à Windhoek, le président et tout son comité, qui ont travaillé sans relâche, ensemble avec notre secrétariat fédéral en charge de l'organisation, le camarade Sylvain, et nos deux chargés des relations avec les forces politiques et sociales ici à Windhoek au niveau de la fédération, les camarades Israël et les camarades Denis. Je voulais leur remercier particulièrement, pourquoi? Parce qu'ils ont consenti d'efforts énormes. Pendant que nous étions à distance, ils ont tout fait pour que cette journée puisse être une réussite. Et je n'oublie de nous acclamer tous. Très chère Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, distingués invités, à vos titres et qualités respectueusement, mes très chers compatriotes, cette journée du 17 décembre 2022 est un grand jour, comme l'a mentionné si bien notre modérateur, un jour qui restera gravé dans la mémoire, dans les annales de l'histoire des Congolais vivant en Namibie. Ce jour qui marque notre présentation officielle de l'UDPS Fédération de la Namibie. Mais avant de procéder, qu'il me soit permis de nous rappeler que pendant que nous sommes réunis dans ces lieux, notre très chère patrie, la République démocratique du Congo, RDC en Syrie, est encore une fois de plus victime d'une agression barbare et d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la paix, les jaloux de notre épanouissement, le Rwanda et ses alliés multinationaux sous couvert de leur délégué au Congo, les M23 terroristes, et cela sous l'œil délibérément aveugle et la bouche muette de toute la communauté internationale. Notre pays en tuant plus de 130 personnes à qui
Kinshasa. En tant que leaders, nous nous rappelons aussi de tous les martyrs de la démocratie, nos combattants et combattants tombés sur le terrain de la bataille, de bataille durant nos 37 ans de lutte pour la démocratie, les 37 ans passés dans l'opposition, ainsi que notre super héros national, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, de reste moi, dont la noble lutte a pavé la voie vers le pouvoir que nous, IDPS, nous avons conquis aujourd'hui. Pour ses congénères, s'il était encore vivant, je vous rappelle que le 14 de ce mois, il aurait totalisé 90 ans d'âge. Malheureusement, il est parti avant de voir la lumière. Très respectueusement, je vous prie de nous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de notre président. Le peuple pendant plus de 37 ans, l'IDPS a gardé
garder sa ligne de conduite, celle de mener une lutte non violente contre tous les régimes qui se sont suicidés en RDC. Cela jusque à l'accession au pouvoir après les élections démocratiques et libres du 30 décembre 2018, consacrant le président et candidat du parti, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi-Béton, comme le cinquième président démocratiquement élu et investi par la Cour constitutionnelle comme chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées et de la police nationale. À lui et à tous les membres de son gouvernement, nous vous demandons respectueusement d'acclamer vivement. Chivarondo is on the way.
appartenu des personnalités auprès de la hiérarchie à Kinshasa. Nous avons obtenu, après plus de 3 ans de démarches, la reconnaissance officielle qui a été scellée par l'arrêté numéro 009 par IDPS, par PP, par SG, par AKT, par 22, signé par le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabuya Chikopamana Mouté, le 1er septembre 2022 à Kinshasa. De ce fait, au nom du dit comité que je représente et au mien propre, je présente mes sincères remerciements et rends un hommage mérité au secrétaire général, M. Augustin Kabuya Chikopamana Mouté, pour notre reconnaissance officielle ainsi que nos nominations à la représentation fédérale de l'UDPS ici en Namibie. Notre reconnaissance va aussi tout droit à M. Théo Bongo, qui est le secrétaire national en charge des relations extérieures de l'UDPS, pour son apport et son. Il nous a postulé pour faire en sorte que cette fédération soit reconnue au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'IDPS au pays. Et nous tenons en ce jour de la sortie officielle de notre fédération, réitérer notre engagement à rester loyal aux idéaux du parti, à respecter et faire respecter les statuts et le règlement d'ordre intérieur du parti, enfin à garder une franche collaboration avec la hiérarchie du parti dans le respect mutuel. Très chère Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, distingués invités, chers compatriotes, je voudrais ici, pour finir, réitérer notre ouverture à la franche collaboration et notre disponibilité d'accompagner notre ambassade au travers de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, dans la réussite de la mission diplomatique qui est la vôtre ici en Namibie. Nous restons également ouverts à collaborer avec toutes les autres forces politiques et sociales œuvrant dans l'intérêt national, dans l'intérêt du Congo ici en Namibie. Que vive l'UDPS, notre cher parti, que vive l'UDPS Namibie, notre fédération, que vive notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Mais néanmoins, on va nous présenter tous les
qui nous présentera ce comité fédéral de Namibie. On attend. Monsieur Stanley Nicobi n'est pas avec nous ce soir.
éminence, Madame Nalula Pamela, qui n'est pas avec nous ce soir, aussi, au budget, camarade Bansa Papi, qui n'est pas avec nous ce soir, aux relations avec les forces politiques et sociales, camarade Denis Timpata, qui est le modérateur de ce soir. Aux études, à la planification et au projet, camarade Jean-Paul Titelé, qui n'est pas avec nous ce soir, à la solidarité et action humanitaire, camarade Kenan Benedict, qui n'est pas avec nous ce soir. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 6. Le secrétaire national aux relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2022, signé Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général. Merci. Chers camarades, chers les invités, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, je voulais juste vous donner un éclaircissement, parce que beaucoup de gens me posent la question et pourquoi ça, dans l'arrêté, il est écrit d'intérimaire. L'arrêté est intérimaire parce qu'il est signé par le secrétaire général. Vous savez que le président du parti est actuellement empêché par des autres fonctions au niveau de la présidence de la République. C'est ainsi qu'il ne peut pas signer pour le parti. Alors à l'intérim, le secrétaire général du parti peut signer les arrêtés au nom du président de la République. C'est pourquoi vous avez entendu, il est écrit la présidence du parti entendu. Donc il signe ça au nom du président de la République. Merci beaucoup, c'est l'éclaircissement que je voulais apporter. Comunicación en forma.
vice-présidence des camarades, Maurice Nyondo. Thank you.
patriotes, nous avons aussi préparé pour leur donner les drapeaux. Je vous remercie. Millions d'habitants.
Je voudrais remercier le comité parce que j'ai vu que c'est pour la prière dédiée à notre pays, au président de la République, aux autorités du gouvernement et à nos FADS. C'est autour de ce drapeau. Monsieur le Président, permettez-moi de temps que j'ai gagné un peu de temps. Mais ça vaut la peine que vous compreniez. Je sais que nous sommes, nous comprenons. Mais que nous puissions aussi amener ça chez les autres. Dans cette équipe territoriale, il y a des pays où on n'a que deux tribus. Dans le monde, là, je ne vais pas citer. Les gens là n'arrivent pas à vivre ensemble. Mais nous avons pour combien 345 et plus. Et moi je disais à quelqu'un, vous prenez quelqu'un qui est à Sakane, un habitant de Sakane, avec l'autre qui est à Mobaïbo. Vous prenez un habitant là des bananes. Le niveau le plus bas de la RDC, avec quelqu'un qui est là, à Isiro. Quand ça arrive à ce problème, tout le monde est uni. Allez-vous comprendre, même à l'Europe, avec un deux étudiants ou quoi, les gens se divisent, les prévient, mais la RDC, nous pouvons nous promener par tout un peu. Vous comprenez un peu ce miracle de Dieu. Et le chef de l'État, Antoine Félix, Félix Antoine Tshisekedi, son gouvernement, notre armée, les FADC, sont en train de passer les nuits blanches pour que les limites territoriales soient maintenues de ce grand pays. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que le Congolais, qu'est-ce que le Congolais a commis comme péché? Monsieur Romain, qu'est-ce que le Congolais a fait comme péché pour qu'il ne soit pas à l'aise chez nous? La communauté internationale, le président Macron, est en train de marcher sur les cadavres des Congolais comme ça. On ne les compte pas. Alors que dans certains lieux où il y a des petites guerres, on compte même les doigts de quelqu'un qui est tombé. Qu'est-ce que nous allons faire? À l'est de notre pays.
qui va nous partir de l'Afrique australe aurait été rayé de la carte. Il ne resterait que des territoires, mais pas de personnes, de vies humaines. La communauté internationale a mis des bandeaux. Donc, frères et sœurs, il n'y a que le Congolais lui-même qui peut se défendre. Je voudrais saluer respectueusement d'une initiative du président de la République pour le recrutement de ces jeunes gens. Moi, je voudrais aussi appeler, nous avons la communauté ici, congolaise. Ceux de Congolais qui sont prêts, ce sont des Congolais et c'est de nouveau qui sont prêts. Faites-vous aussi avancer pour vous amener, pour ceux qui le peuvent. Pour ce pays-là,
quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, c'est un sorcier. La nation est sacrée. Deuxième chose, toute autorité vient de Dieu. Le président, c'est une institution. Et en tant que tel, nous devons prier pour que cette institution puisse avoir une flèche dirigée contre la révélation. Elle se retournera contre nos ennemis. Et eux-mêmes, sans coupure, nous avons ainsi déclaré, nous l'avons ainsi confessé, au nom de Jésus, et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Merci beaucoup, mon négateur, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président de la Fédération, le Vice, de la communauté, son vice, et tous les présidents sectionnels, et à vous tous nos compatriotes, en vous disant merci. Séance, nous allons enregistrer et seulement nos fiches pour suivre après.